Encore Julie Gianni, hein? Ah, je sais que t'étais pas seule quand j'ai appelé. Tu avais cette voix. Oh non, mon vieux, j'ai chopé un rhume. Je reste peinard chez moi ce soir. J'avais un rhume. Et j'étais seule. Très bien. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux de ta vie. Merci. Mais un jour ou l'autre, tu sauras ce qu'est vraiment l'amour. C'est le vinaigre et le miel. Et le vinaigre, moi, je connais. Ce qui me permet d'apprécier le miel. Julie Gianni est une amie. Il nous arrive parfois de coucher ensemble. Oh ! Quoi ? Quoi ? La fille de mes rêves, Julie Gianni, est ta copine de... Est-ce que tu veux écouter ? Ralenti, tu veux ? Voyons ce que j'ai. R.I.M., Barcelona, Looper, Radiohead. Attention ! On a failli passer. Je sais. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Et tu sais quoi? C'est ta vie qui a défilé devant mes yeux. Comment c'était? Ça valait presque le coup de mourir. On est devant l'entrée, on va monter. Bonjour monsieur, bien dormi? Oui, oui. Vous avez mangé? Comment? Vous avez pris un petit déjeuner? Non. David, tu as joué au squash. Bonjour, Fred. J'invente des excuses depuis une heure, je te sauve la mise et toi tu... Non, j'ai mangé, merci. Là, nous sortons de l'ascenseur. Le conseil n'est pas content. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Tu es dans le New York Post. Courtney Love veut savoir si tu as lu son email et Graydon Carter et Shelley One. Wanger ont appelé pour confirmer le dîner de ce soir. Cool. Oh, et le service maquette attend toujours pour la couleur. Bonjour, des lettres spéciales bikini. Jaune, bonjour, rouge David. Ou blanc. Je t'ai dit que le conseil est furieux que tu sois en retard. Hello. Nicolas. Hey, David, une seconde. Choisis quelle couleur. Attends, celle-là. David. Viens, viens. David. Ils sont tous là à t'attendre. T'as changé de coiffure. Oui. Alors, et David, des commentaires seraient les bienvenus. Hmm? Ah. David, est-ce que vous rêvez du conseil d'administration des sept nains, comme vous les appelez? Achum, timide, dormeur, joyeux, prof, simplet et bien sûr, grincheux. C'était comment à Aspen? Bien. Maintenant, je veux des réponses et je les veux tout de suite. Comment ça va? Il me regarde encore comme si j'avais 11 ans. Il va hériter de tout.